Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux notes de conférence de Monsieur Yves Doumergue, une visite des classiques, juste là, sortie en 2006. Donc on va faire un petit tour de carte. Donc le but, ça va être de choisir une carte. Je vais demander au spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Il dit stop par exemple ici. Il regarde sa carte, il s'en souvient. Et on la perd dans le milieu du jeu. Parfait. Alors je vais avoir besoin de 3 chances pour retrouver votre carte parce que je suis pas vraiment certain, comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait le mélange, j'ai pas fait le contrôle un peu particulier, donc on va juste faire ce petit mouvement. Et là normalement on a une carte qui se retourne et cette carte, ah yes, l'as de cœur. As de cœur. Non, c'est pas votre carte? Ah alors bon, on va peut-être tenter autre chose. Elle s'est retournée juste à côté de cette carte-ci. Cette carte, il se trouve qu'on a ici, l'as de carreau. L'as de carreau, pas mal, non? L'as de carreau, non? Non, toujours pas? Alors peut-être qu'en faisant ce petit mouvement, ah yes, là on a une carte qui arrive face en bas entre les deux as face en l'air, et cette carte, il s'agit exactement du roi de trèfle. Et ça, c'est votre carte choisie. Ah, pas mal, pas mal. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Regardez, juste en passant le roi de trèfle comme ça entre les deux as rouges, on se rend compte que ça se transforme, les deux as rouges se transforment en roi rouge. Et ça, c'est joli. Alors, comme on ne veut pas faire de jaloux, on a les deux rois rouges et le roi de trèfle, on va simplement faire ce petit mouvement. Et à ce moment-là, on a le roi de pique qui arrive et on peut enchaîner sur n'importe quel tour utilisant les quatre rois. Franchement, je trouve ça super sympa comme tour. Merci Yves Doumergue. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao !